il aime bien qu'on lui gratte autour des cornes. Oh! Peut-être vu que ça fait. Il tremble un peu, il est un peu nerveux. Mais oui, loin de sa maman. La petite voix de bébé. Ah ouais. On va avoir un petit temps d'adaptation. Peut-être qu'il n'y a pas de donner le champ. C'est fun, ça. Mais oui, c'était tout petit. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo sur une nouvelle expérience. Faire de la confiture avec, comment qu'on appelle ça, des petites cerises sauvages? Oui, des cerises sauvages. Première étape, on cueille. Hein, les filles? Oui. Délicieuse! Yeah. Oh yeah! On prend ça, on met ça là-dedans. Juste que tu goûtes à celui-là. Al goûtage. T'as-tu déjà goûté des cerises pas de même? Non. J'aime ça que c'est parfumé. Ouais. Je ne traite pas là-dessus tant que ça, mais c'est bon. Il faut, comme je m'habitue, on dirait que je vais un petit peu ça. Ah, mais reprends-en. Hein? Il y a comme un parfum inhabituel, un peu comme... Mais ça goûte la cerise. Ouais. Puis là, on l'a fait au sirop d'érable. La prochaine fois, on va le faire avec notre miel. Oui, il y a une petite amertume, puis un petit goût cerise framboisée un peu. Oui, rhubarbée. Puis presque
rose ou un petit peu de parfum. Ah. Mm. Mm. Spécial, très bon, très sauvage. Nous, on adore ça. Hein? Mm. Ouais. L'excellence. Oh, l'excellence. Mm. Encore? Que t'en veux encore? Oh, bon, quand il en veut, c'est bon signe. Hein? Mmh, ouais! Alors, je vais vous commander deux frites sauce avec un hot dog, VG hot dog, s'il vous plaît. Et une root beer. Wouhou! Il y a juste moi qui est au courant. Je suis tout excité. On est samedi après-midi. Je m'en allais pour... j'ai ouvert le couvercle pour nettoyer le dortoir des poules pondeuses. Ils n'ont pas commencé à pondre. Ça fait environ 4 mois qu'on les a. Puis ça, on sait que ça s'en vient. Mais là, j'ai eu une surprise. Hé, hey, Agartha! Allô, Agartha! Ouais, vous avez laissé une petite surprise à la famille. Alors que c'est la journée qu'on accueille César. Le nouveau petit venu. Ça va bien, César? L'air à bien s'acclimater. Allô? Avec Horus. Hey, les petites poulettes! Vous êtes à l'honneur aujourd'hui! Merci, quel beau cadeau! Alors, j'ouvre le petit capot. Et qu'est-ce que c'est que je ne vois pas ou que je vois? Douce, ici. En ouvrant ça, je l'avais ouvert hier, il n'y avait rien. Je regarde pour nettoyer. Et, oh my God! 2, 3 cocos! Alors, les premiers cocos. Ça, c'est Agartha, parce qu'elle est brune. Puis les autres qui sont blanches, ici. Donc, les 3 poules ont pondu la même journée pour la première fois. À moins qu'il y en ait une qui peut avoir 2 œufs, je ne croirais pas. Donc, yes! T'es tout gentil, mon pou. T'es tout gentil. T'es tout gentil.